mandat PM Ariel Henry doit finir 7 février 2024. Tout le monde qui a dirigé qui n'a pas de bilan. Quel bilan est positif à 80% ou bien qu'il est négatif soit à 80%, etc. Il y a un bilan. Là, on a parlé de bilan positif PM Ariel Henry. Tout le monde sur les réseaux sociaux, il y a un bilan négatif de PM Ariel Henry qui passe un an. Mais nous, même au niveau escouade démocratique, comme partisans au pouvoir, nous obligés de nous dire oui, il y a un bilan positif. Vas-y. Escouade démocratique et allié, qui gagne là-dedans, nous gagnons comme allié, nous, réponse paysan, plateforme politique victoire qui est avec nous là, parti politique mes contrées, parti politique héritage, etc. Une bonne partie politique qui réunit avec nous là. Nabay, disons-nous sous affaire à Montana et comité de médiation qui est dirigé par Monseigneur Ogier Beauvoir. Nous-mêmes, au niveau escouade démocratique et alliés, après nous avons rencontré tout allié nous et puis toute organisation parti politique qui est dans l'escouade démocratique, nous avons vu que le mandat PM Ariel Henry doit finir 7 février 2024. Il y a des gens qui ont pris le mandat pour faire un mandat, est-ce que PM Ariel Henry est dans l'élection? Non, PM Ariel Henry n'est pas dans l'élection, mais quand même, tout le monde, toute organisation et parti politique, t'es rencontré avec PM Ariel Henry. Eh bien, yo ballon un mandat, organisation et parti politique. Yo. Eh bien, qui s'est lié? 7 février 2024, c'est date ça nous voit que PM Ariel Henry est capable d'obliger à remettre pouvoir après l'élection. Élection. Il fait mettre sécurité dans le pays, organiser référendum, organiser bon élection traditionnelle yo, pour député, sénateur et puis président. Et puis, 7 février 2024 pour remettre pouvoir. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Il y a un comité de médiation qui est formé, qui est dirigé par Mgr Ogier Beauvoir, Jean-Aubert Charles et puis Laurent Saint-Cyr. C'est Jean-Aubert Charles pour Copia et puis Laurent Saint-Cyr pour le secteur privé. Eh bien, après, ils ont rencontré toute organisation, parti politique. Effectivement, 80% de parti politique et organisation, ils ont rencontré, ils sont d'accord avec sa escouade démocratique d'y à côté pour un gouvernement monocéphale. PM Ariel Henry qui doit diriger pour organiser l'élection pour 2 ans. 2 ans ça, nous sommes en 2022 là, c'est en 2024. Effectivement, toute organisation et parti politique d'accord avec l'espoir démocratique pour que c'est PM Ariel Henry qui dirige pour jusqu'à 2024. PM Ariel Henry ouvre le bureau dialogue li 24 sur 24, 7 jours sur 7. Tellement PM Ariel Henry voulait rencontrer tout le monde, ça le fait, l'obliger, lui prend une série d'autres monde qui était dans l'accord en septembre là. Pour s'il t'a malade, pour s'il t'a pas gagné temps, pour rencontrer à tout le monde qui voulait dialoguer. C'est ça que fait, il a invité tout le monde Montana. Le monde Montana, c'est un groupe, mais il y a un autre groupe toujours. Il a rencontré 24 sur 24. Ça fait blanc plaisir en pile, quoi groupe content en pile, même ambassade américaine content, tout international là, content pour façon PM Ariel Henry ouvre. Entendu pour dialoguer avec tout le monde. Je ne dis pas à tout le monde Montana. Si vous pas rentré dans le cadre de dialogue là, si vous pas rentré, si 90% dans tout parti politique et organisation dans le pays d'accord pour ces transition de 2 ans dirigée par PM Ariel Henry pour en 2024 pour PM Henry mettre pouvoir, eh bien tout international après l'Ouest, c'est eux-mêmes qui bloquent le pays. Nous avons demandé avec le groupe Montana pour obliger faire un dépassement de soi pour obliger d'accord avec sa majorité parti politique et organisation. D'accord pour 7 février 2024 pour une élection organisée 7 février 2024 pour un président qui est dit tout neuf. Nous-mêmes au niveau espoir démocratique, nous t'entendons à parler des affaires gaz. Eh bien, ça n'a pas demandé avec PM Ariel Henry. Il y a un projet à court terme, il y a un projet à long terme. Nous mettons à faire augmentation gaz là comme un projet à long terme. Projet à court terme, nous pour le moment là, c'est mettre sécurité dans le pays là pour combattre les affaires kidnapping là. Immédiatement, la sécurité dans le pays là, nous pouvons très bientôt pour avoir une élection. Laisse PM Langue nous penser avec l'autre problème. Vous avez parlé tout des bilans PM Ariel Henry, vous dit PM Ariel Henry pas un bilan pendant 1 an. Non, PM Ariel Henry a un bilan qui est positif. Nous sommes capables de ça, nous sommes capables de faire quelques éléments. Nous avons regardé, nous avons fait l'école. Pas un jour de classe qui perd l'année. Sauf quelques. Côté qui gagne n'est pas tiré. Mais ou pas ouais manifestation élève dans la rue. Au niveau ministère de l'éducation nationale, il y a un bilan positif pour le gouvernement. Dans le ministère sport, avec Jean-Tolbert Alexis, nous gardons nous, majorité compétition, pays n'a pas de participer là-dedans. Et bien, je vous dis à la, il y a un gros rencontre qui a fait. Au niveau sport, il y a un gros pas qui fait. Au niveau bilan, PM Ariel Henry.
Nous avons gardé tout au niveau de l'augmentation des salaires qui est faite pour employer l'État, pour un pilote monde, pour les gens qui sont dans le secteur privé, etc., pour les gens qui travaillent dans la factory. Là, ça, c'est un bilan lié toujours. Et nous avons l'autre bilan qui fait toujours au niveau de la douane. Est-ce qu'on a arrêté les gens dans la douane? Est-ce qu'on a saisi les cartouches? Eh bien, on parle depuis qu'on y a là, où un bon monde qui a commencé à marrer toute la journée, il a saisi les cartouches. Il a saisi les âmes, et bien tout ça est rentré dans le bilan. Et bien nous campons sur ça seulement pour nous obliger à parler que le bilan PM Ariel Henry, nous avons gardé sous deux ministères côté comme si PM Ariel Henry fait gros pas qui fait au niveau du ministère de l'Éducation nationale et au ministère sport côté Jean-Tolbert Alexier, où est en pile compétition internationale, et Haïti a participé, il a participé, il y a gros rencontre qui a fait dans ce sens. Nous même au niveau escouade démocratique, nous avons demandé avec peuple là pour quoi dans l'escouade démocratique et allié. Quoi est la réponse paysan? Quoi est la plateforme politique victoire? Quoi est la toute organisation et parti politique qui mettent tête ensemble? Côté nous te dit c'est 7 février 2024. Je ne dis à tout le monde à clair. Côté toute organisation parti politique, yo d'accord pour 7 février 2024 pour PM Ariel Henry quitter le pouvoir. Et mais c'est une raison qui fait nous dire PM Ariel Henry, comme peuple a d'accord avec vous pour quitter le pouvoir 7 février 2024 après fin organiser l'élection, et bien pas faire peuple fâché, côté on va l'obliger à monter gaz à rapide là, et bien quitter ça comme un projet à long terme, et bien projet à court terme là c'est mettre sécurité dans tout le pays pour quoi des bouquets pour problème ça résoudre. Problème Matisse à résoudre, problème Bel à résoudre, problème Cité Soleil résoudre, côté vingé sécurité dans le pays, les vingé sécurité dans le pays, côté comme si le peuple a senti capable d'aller dans une place, toute boîte de nuit a fonctionné, laisse ça, on sentir à l'aise pour gagner l'autre projet à long terme, capable de manger. Mais en attendant, nous pas d'accord pour faire monter Gaza pour le moment, nous quitter le projet, ça, nous demandons à PM Ariel Henry tout. Il y a un bon monde qui est en primature, c'est le monde qui part à Raymond au 7 février 2024. Ce sont les monde qui compte tout. Dans la primature, yo bon côté, il faut qu'on obligé commencer pour détecter moun sa yo, parce que moun sa yo, yo kap djou comme ça pour monter Gaza, son façon y a fait de pour monter Gaza pour peuple la lever contre. Quitter projet ça comme projet à long terme, eh bien ça pour faire c'est rester dans projet à court terme là, mettez sécurité dans pays là, dès qu'on fin bay peuple la sécurité, quel que soit sort à faire là, peuple là ensemble avec vous à 100%. Nous même au niveau escouade démocratique et tant que défenseur peuple là, nous pas capable obliger contre peuple là, eh bien dans ce sens ça n'a demandé à tout le monde mettez tête ensemble et puis moun Montana yo moi demandé dans ce maintenant là pour nous jouer nous consensus côté n'a demandé à PM Ariel Henry tout pour le fond passer maintenant gouvernement en façon pour peuple là capable gagner confiance. Merci la presse.